Nous savons qu'en ce moment, il y a près de 30 000 réfugiés et migrants en route pour la Slovénie. Le nombre de migrants qui vont vers l'Europe centrale depuis la Grèce n'est pas en baisse. En tant que Premier ministre slovène, je ne peux laisser cette catastrophe humanitaire se dérouler sur le sol slovène. Parce que la Slovénie est un membre responsable de l'Union européenne et protège donc les frontières de Schengen. Hier, nous avons pris la décision de déployer des obstacles techniques à la frontière avec la Croatie. L'objectif de ces mesures est d'empêcher la dispersion et de garantir le contrôle aux frontières. Ici, nous parlons de mesures techniques qui seront soutenues par les forces de police. De même, des forces de police étrangères vont coopérer avec nous. Da bodo zdaj z nami sodelovali, kot veste, tudi pripadniki tujih policijskih enot.